la clinique Duterre, le parcours patient prothèse de hanche, prothèse de joue a changé. On peut les faire en ambulatoire à l'heure actuelle. Ils sont pris en charge pour un parcours individualisé, personnalisé. On les prend en charge et après, on lui pose le casque de réalité virtuelle 3D dans une demi-heure pour le détendre, pour qu'il soit en effet hypnotique, pour aller après au bloc hyper détendu. Ensuite, bien sûr, l'intervention se passe. Et la kiné vient les voir pour les lever, marcher dans le couloir, faire les escaliers. Il y a une application qui est mise en place, c'est Hortense. C'est une application qu'ils ont sur leur portable ou leur tablette chez eux. Ils le remplissent et nous, on surveille juste que tout est fait. Et s'il y a un souci, on les appelle. C'est ma deuxième opération. J'ai fait la première hanche ici, à la clinique Duterre, avec le docteur Prosic, il y a un an, un peu plus d'un an. Méthode classique, ça s'était bien passé. Et là, franchement, revenir le faire en ambulatoire, c'est une révélation. Je suis rentré à la maison le soir, rentré dans le cadre familial, pas de stress. Aujourd'hui, 15 jours après, je remarche quasiment sans béquille. J'en garde une pour assurer le mouvement, mais la récupération s'est faite très très vite et plus rapidement, je pense, que la première opération. Donc je veux dire, c'est un vrai succès. Aujourd'hui, on est à un mois après l'opération. J'ai retrouvé mon autonomie assez rapidement. Mais moi, J+1, je marchais avec une seule béquille, parce que je ne savais pas trop quoi faire de la deuxième. À J+15, je conduisais, et puis ça ne va qu'en s'améliorant. Pris en charge en salle d'opération, avec une technique d'anesthésie adaptée, qui permet aux chirurgiens d'avoir des bonnes conditions pour opérer. L'anesthésie est faite le plus léger possible, notamment avec l'administration des dérivés de la morphine, pour que le patient soit le plus vite réveillé, le plus vite sur pied et ait le moins de douleur possible en post-opératoire. On le garde en salle de réveil un petit moment avant qu'il remonte dans sa chambre. Vous avez pu ainsi voir le parcours des patients pour la prise en charge des prothèses articulaires aussi bien de hanches et de genoux en ambulatoire, où le patient est pris de façon agréable, n'est pas médicalisé, pour que les choses soient les plus simples possibles. Nous voulons leur redonner une dignité humaine pour qu'ils puissent à nouveau profiter agréablement de leur vie. Tout ceci est aussi possible par cette prise en charge en amont de la chirurgie. L'expérience a été ainsi tout à fait concluante avec une euphorie de nos premiers patients, un résultat fonctionnel véritablement accéléré. Nous sommes donc dans un cercle vertueux, positif. Nous sommes tout à fait dans ce sillon de l'innovation, dans le respect du patient.